France, on compte officiellement 11 jours fériés, dont 6 trouvent leur fondement dans la religion chrétienne. Le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint et Noël. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, la France est une nation aux racines chrétiennes, au moins depuis que l'évêque Saint-Rémy eut baptisé Clovis il y a un peu plus de 1500 ans. L'Aïd el-Fitr, aussi appelée Petite Fête, est la fête de la rupture après un mois de Ramadan. C'est l'occasion pour organiser de grands rassemblements en famille ou avec la communauté, à ne pas confondre avec l'Aïd el-Kébir, la grande fête qui commémore le sacrifice d'un bélier par Abraham ou Ibrahim dans le Coran. Le jour de l'Aïd el-Fitr donc est déterminé par l'observation du ciel et dépend de la position géographique du croissant de lune, car le calendrier égyrien est un calendrier lunaire contrairement à notre calendrier grégorien qui lui est solaire. Et cette année, ça tombait sur le vendredi 21 avril 2023. Mais alors que chaque année on se passait discrètement le mot pour ne pas venir en cours le jour de l'Aïd, cette année marque un véritable tournant. Selon un article du Figaro, certaines villes d'Île-de-France comptaient jusqu'à 400 élèves sur 2000 en moins, comme à Taverny, dans le Val d'Oise. Un chauffeur déclare lui compter moins d'un enfant sur 5 dans son bus scolaire, et enfin à Paris, un conseiller d'arrondissement y avance quant à lui le chiffre de 20% d'élèves présents dans ses écoles primaires. Mais alors, pourquoi? Eh ben, moi je suis pas psychologue, faut demander à Mazdaq. Je suis pas encore psychologue, faut demander à Mazdaq. Mazdaq, c'est un célèbre TikToker qui comptabilise 2,5 millions d'abonnés sur TikTok et presque 800 000 sur Instagram. Si vous ne le connaissez pas, il partage des astuces juridiques afin que le citoyen lambda ne soit pas dans l'ignorance de certaines règles qui l'avantagent. Donc non, la faute ne peut lui être imputée. Il a simplement mis en lumière une des dispositions de la circulaire du 18 mai 2004 relative à la loi sur la laïcité à l'école du 15 mars 2004 dans laquelle il est inscrit noir sur blanc que des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé. Où est le problème, diront certains. Après tout, c'est légal. En fait, cet absentéisme pour motif religieux entraîne inévitablement un appel d'air pour tous les élèves qui souhaitent faire l'école buissonnière, et on peut les comprendre. Certains profitent de cette excuse de l'Aïd pour ne pas venir en cours et se taper des DM de maths à rendre sur le logarithme népérien. On verra ses propriétés. Sauf que le vendredi d'avant, le vendredi 14 avril, eh bien, pour les chrétiens, c'était le vendredi saint, le jour de la commémoration de la passion du Christ. Et s'il s'agit bel et bien d'un jour férié légalement reconnu dans 3 départements français, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, il ne l'est pas pour le reste du territoire. Mieux que ça, cette fameuse circulaire prévoit une liste mise à jour chaque année au bulletin officiel. Cette liste, on l'a téléchargée et là, on s'aperçoit qu'elle ne concerne pas les catholiques ni les protestants, car je cite, leurs principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales. Donc, dans l'hypothèse, certes improbable, mais dans l'hypothèse où les élèves chrétiens auraient demandé aux enseignants de ne pas venir ce vendredi afin de se souvenir de la souffrance de Jésus sur sa croix, eh bien cela n'aurait probablement pas pu être accordé en raison de cette même circulaire. Mais cet exemple précis s'inscrit en fait dans une toute autre dimension, celle de l'effondrement de l'école française. Il n'est pas sans rappeler les diverses polémiques à la rentrée dernière où sur TikTok, des influenceurs incitaient les jeunes filles musulmanes au port du voile dans les établissements scolaires. Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation, avait lui-même déclaré il y a 5 mois que la modération des réseaux sociaux était une préoccupation majeure. Préoccupation majeure pour nous. Et il faut ajouter que selon une enquête du syndicat national des personnels de l'éducation nationale, le SNPDN, 72% des chefs d'établissement ont constaté le port d'une tenue dite culturelle permettant la pratique religieuse. En vérité, les chiffres des atteintes à la laïcité que l'on peut trouver sur le site du ministère peuvent être très largement revus à la hausse quand on sait le silence et la frilosité des professeurs à évoquer le problème. Ici ou là, on tait certaines atteintes, comme le fait de refuser par exemple d'aller en cours de natation en raison de sa religion, sans parler des minutes de silence pour Samuel Paty qui n'ont pas été respectés dans certains collèges et lycées de France. Lorsque l'on essaye de le faire de toute façon, même avec humour, on peut finir au tribunal et être sanctionné de l'interdiction d'enseigner, comme ce qui s'est passé à Angers en 2020 dans un lycée privé catholique. Paul Sugy, tu es journaliste au Figaro et tu viens de publier une enquête justement sur cette histoire de mazdakisation de l'éducation nationale, ou en tout cas à l'occasion de l'Aïd. Globalement, est-ce que c'est un phénomène qu'on pouvait déjà observer avant que Mazdak intervienne ou Non, ça a toujours existé. Le fait que les élèves veuillent être en famille pour l'Aïd, d'abord c'est vraiment partie de la tradition musulmane, hein. C'est une fête qui se passe en famille, en fait, de la nuit, de la veille jusqu'à la nuit du soir. C'est festif, il y a beaucoup notamment d'échanges, de cadeaux, de nourriture, etc. Moi, ce que j'ai remarqué, en tous les cas ce dont on m'a averti, c'est qu'il y a vraiment une proportion significativement plus élevée qui a été observée cette année. Ça, c'est des chefs d'établissement, c'est des élus locaux qui le disent, qui le voient, c'est vraiment les retours du terrain. Et ce qui a pu jouer, alors c'est peut-être pas la seule explication, mais en tous les cas une des principales, c'est effectivement cette vidéo de Mazdaq sur TikTok qui a été vue 2 millions de fois, donc c'est 3, 4, 5 fois plus que ces autres vidéos. Semaine, ouais. Voilà, en seulement 6 jours je crois. Et moi, ce que m'ont dit des enseignants ou des proviseurs, c'est que les élèves, quand ils arrivaient pour demander l'autorisation d'être absents absent ce jour-là, si le professeur, si le CPE disait non, il lui mettait la vidéo TikTok sous le nez en lui disant mais si monsieur, regardez, on a le droit. Est-ce que ce fait peut être transversal selon les confessions? On est dans un pays qui a 1500 ans derrière lui d'histoire chrétienne, donc de fait les fêtes chrétiennes sont pour la plupart présentes déjà dans le calendrier des jours fériés. Par exemple le vendredi saint par exemple. Bah voilà, alors effectivement le vendredi saint, personne dans les écoles publiques ne va demander un jour férié pour le vendredi saint. Moi j'ai jamais vu ça nulle part, ou pour d'autres religions qui sont moins présentes mais quand même un petit peu, c'est que effectivement il y a quelques élèves à la marge qui demandent à profiter, parce que la disposition légale prévoit qu'en fait il y a tout un ensemble de fêtes religieuses qui peuvent ouvrir le droit à une demande d'absence exceptionnelle, pas seulement donc la fête de l'Aïd, mais ça prend évidemment pas les mêmes proportions. Et ce qui s'est passé, et c'est là que c'est intéressant, c'est que selon les retours que j'ai d'établissements scolaires, c'est pas juste des élèves musulmans qui ont demandé à ne pas venir ou qui sont pas venus en cours vendredi pour l'Aïd. C'est ça, tu parles d'un effet d'opportunisme, en fait c'est une sorte d'appel d'air en fait, qui va jusqu'à, comme tu dis sur ton Twitter, créer un véritable jour férié de fête. Oui, on peut aller jusque là. Bah c'est ce que je crois, oui, parce qu'en fait d'abord il y a des questions d'organisation scolaire, c'est-à-dire que un ou deux élèves qui manquent à l'appel c'est gérable, quand c'est la moitié de la classe ou quand c'est les trois quarts de la classe, j'ai même vu des établissements où ça allait jusqu'à 80% des élèves, bah forcément on peut pas faire les mêmes activités, donc ça créait pas mal de difficultés. En plus là on était la veille des vacances de printemps pour les académies qui n'étaient pas encore en vacances, donc du coup il y avait pas mal d'activités extrascolaires qui étaient prévues le vendredi avant les vacances. Souvent bah, on en profite pour aller voir une pièce de théâtre, faire une activité musicale ou je sais pas quoi. Vrai problème, parce que ça veut dire qu'il faut repenser l'organisation du temps scolaire en considérant que ce jour-là on peut pas prévoir d'activité fondamentale puisqu'il y aura une proportion très importante d'élèves qui seront absents, sachant que l'éducation nationale recommande déjà de pas mettre d'examen hein, ce jour-là. Donc on en arrive quasiment à un jour férié de fête. Après moi ce qui m'étonne journalistiquement déjà, c'est de ne pas obtenir d'informations plus précises de la part de l'éducation nationale, qui a l'air de considérer que c'est quelque chose de normal, mais que c'est pas utile de le mesurer. C'est impossible d'obtenir des statistiques précises. Mais ce qu'on me répond là, encore tout à l'heure au ministère de l'Éducation nationale, c'est bah non, mais en fait, on mesure l'absentéisme en moyenne chaque mois, mais on n'a pas enquêté précisément pour savoir si le jour de l'Aïd, il y avait une proportion d'absence significative. Donc en fait, c'est les chefs d'établissement livrés à eux-mêmes qui se retrouvent devant une réalité de fait, qui constatent dans les classes de leur établissement, mais sans qu'au niveau de l'Éducation nationale, on leur donne plus de consignes que ça. Donc en fait, c'est débrouillez-vous. On veut pas voir qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer sous nos yeux, qui est que dans l'esprit des écoliers, et pas seulement des écoliers musulmans, le jour de l'Aïd, c'est comme Pâques ou Noël, on va pas en classe. Ça va même jusqu'à une proviseure au lycée Édouard Herriot à Livry Gargan, ouais, Livry Gargan pardon, dans le 93, qui en fait invoque elle-même ce droit auprès des parents. Là en l'occurrence, cette proviseure répondait à un papa qui faisait observer que 6 enseignants sur les 8 qui étaient prévus dans l'emploi du temps de son fils ce jour-là étaient absents justement pour l'Aïd. Donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas que les élèves qui recourent à ce jour d'absence, c'est aussi les enseignants. Les agents de la fonction publique, donc y compris les professeurs, peuvent demander un jour de congé exceptionnel pour une fête religieuse, par exemple pour l'Aïd, mais d'abord, c'est pas une obligation, donc l'établissement peut tout à fait leur refuser, et ensuite, ça suppose que ça ne dérange pas la vie scolaire. Quand on en arrive à 6 profs sur les 8 de la journée qui sont absents, clairement, on voit bien que ça a un effet sur la vie scolaire. Et c'est pour ça que, moi, ce que je vois, et il suffit de regarder un peu, si on est de bonne foi, tous les commentaires qui sont postés en dessous de la vidéo de Mazdaq, quand on a un peu de bonne foi, on se rend compte que dans l'esprit des élèves et dans l'esprit de la communauté même éducative au sens large, on considère que c'est quasiment un jour banalisé. Ouais, on a un commentaire là qui illustre bien ça. Nous, sous la vidéo de Mazdaq justement, nous il n'y a même pas cours le jour de l'Aïd, et même s'il y avait, même les surveillants ne viendraient pas. On a un autre commentaire, c'est pour ça qu'il n'y avait que 50 élèves sur 200 dans l'école de mon fils. Alors justement toi qui as essayé de contacter les services du ministère de l'Éducation nationale, tu parles d'une certaine opacité au niveau des chiffres. Quand le ministère de l'Éducation nationale nous dit qu'il y a 40% des faits qui sont des ports de signes religieux à l'école qui sont remontés, en fait, dans la réalité, c'est combien? Quel est ce degré d'opacité en fait? Ouais, en fait, ce que tu montres bien, c'est que d'abord, il y a une remontée du terrain qui est très claire, qui est qu'il y a une manifestation explicite du fait religieux, du fait communautaire qui s'intensifie à l'école. On l'avait vu notamment en début d'année avec le port des tenues religieuses, que ce soit encore influencé par TikTok d'ailleurs, c'est toujours le même. Voilà, et j'y viens effectivement. Donc d'abord ça c'est la réalité du terrain, c'est ce qui se passe. Les proviseurs, le personnel éducatif, le personnel scolaire voient qu'il y a un affichage de l'appartenance religieuse, et en particulier l'appartenance à la religion musulmane qui est de plus en plus présent, parfois qui contrevient à ce que prévoit la laïcité à l'école. Cette manifestation, elle n'est pas spontanée, mais elle est organisée par une offensive d'influence sur les réseaux sociaux, alors TikTok en particulier, parce que je crois que c'est un des réseaux sociaux qui est le plus consulté par les collégiens et les lycéens. Donc cette remontée du terrain, manifestement, elle n'inquiète pas suffisamment l'éducation nationale pour qu'il y ait derrière une vraie mission d'information qui soit créée. Le ministre actuel, Pap Ndiaye, il a complètement élargi les missions qu'il a données au Conseil des sages de la laïcité qui dépend de son ministère, en leur demandant de plus simplement s'occuper du respect de la laïcité à l'école, mais plus largement de tout ce qui a trait à l'éducation civique, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, etc. Il en fait un sujet comme un autre, et il ne montre pas du tout une forme d'importance ou d'urgence derrière ce sujet, alors même que le personnel de l'éducation nationale fait remonter le fait que ça devient de plus en plus pressant et qu'il faut des réponses claires. Justement, ça, ça vaut pour les établissements public, mais plus surprenant encore, tu le dis dans l'article, il y a également des enseignements privés, de l'enseignement privé catholique qui est également concerné. Bah, il peut y avoir des élèves musulmans partout, et en l'occurrence dans l'enseignement catholique il y a aussi des élèves musulmans. On ne demande pas un certificat de baptême avant de s'inscrire dans le privé catholique. Mais par contre, ce que ça montre aussi quand même, c'est que il n'y a pas que des élèves musulmans qui ne demandent à pas venir le jour de l'Aïd, ou qui viennent pas le jour de l'Aïd. Et c'est ce que je disais, c'est là que la proportion prise par le phénomène fait dire à tout le monde, c'est bon, en fait c'est un jour qui compte pas. Donc c'est la faute à Mazdaq? Bah, je pense que Mazdaq vient opportunément flatter un sentiment communautaire qui est en pleine expansion à l'école et qu'il y participe. Et d'ailleurs, c'est pas neutre le fait d'utiliser le droit pour justifier cette ostension communautaire. Dans cet article, tu fais également intervenir, enfin, tu interviews la maire de Taverny, Florence Portelli, maire républicaine. Qu'est-ce qu'elle te dit, elle, concrètement? J'imagine que c'était au téléphone ou... Ouais, alors effectivement, c'est elle qui a un parti sonné l'alarme. Elle, d'abord, était effarée par les chiffres. Ce qu'elle dit, c'est que là, elle avait plus de 400 élèves à Taverny. Taverny, c'est pas... c'est dans le Val d'Oise, pas en Seine-Saint-Denis, c'est une ville qui est mixte sociologiquement, mais c'est une ville qui, généralement, se tient un peu à côté par rapport aux principaux problèmes que peut poser le communautarisme musulman aujourd'hui sur le sol français. Elle était effarée de voir qu'il y avait plus d'un élève sur 5 dans le cours élémentaire qui n'était pas présent en classe. Elle avait jamais vu ça, donc c'était le caractère inédit des chiffres qu'elle avait constatés. Ensuite, elle était scandalisée de voir que, vu que c'était une absence qui n'avait pas été prévenue, il y a eu un gaspillage, par exemple, alimentaire à la cantine conséquent. Donc, en fait, c'est toute une question d'organisation aussi pour la vie scolaire qui ne peut pas suivre à cause de ça. Je ne l'ai pas redit dans l'interview, mais je me souviens qu'elle me confiait ça aussi. Après, donc, elle se promenait dans les rues de sa ville, et en fait, l'Aïd est une manifestation en grande partie publique. Les familles sortent beaucoup dans la rue, et elle voyait les filles qui auraient dû être à l'école normalement. Elle les voyait en famille, par exemple, certaines voilées de la tête aux pieds. Et on parle de filles qui étaient à peine adolescentes, c'était pas des filles de 16 ou 18 ans, c'était vraiment des enfants. Et de fait, c'est ce qui se passe aussi quand, au nom d'une fête religieuse, on soustrait les enfants à une obligation scolaire, c'est que bah, forcément, c'est les règles de vie, la culture familiale qui l'emporte sur le cadre que permet la vie scolaire, et à ce moment-là, ça ne choque plus, par exemple, de voiler des fillettes entièrement de la tête aux pieds. C'est aussi ça une des conséquences du retrait du cadre scolaire au profit de fêtes religieuses privées. Et bah, merci beaucoup, Paul Sugy, c'était très clair. Merci à toi.